Moïse est séducteur. Mais maintenant, pour devenir saint, comment est-ce que nous devenons saints? Parce que ici, j'allais vous demander, je commence d'abord par ceux qui ne veulent pas être saints. Apocalypse. Comment est-ce qu'il veut aujourd'hui seulement pour que nous puissions parler de lui aujourd'hui? Bon, on est de tout, parce qu'on va revenir. On va revenir dans notre livre habituel. Oui, allez-y. Mais c'était pour vous faire voir. Parce que nous allons plus nous atteler sur les martyrs. Donc, vous la vie, là, est allé le coup par la fille. Mais les deux ici vont nous aider. Pour être saint, on va passer par Moïse. Et c'est pas comme les canapos. C'est pas ce qui va te permettre. Mais la vie de mort, c'est qu'on passe à Moïse. Saint Moïse. Moi, je ne vais pas vous accuser. Moïse. Il a eu un problème au service. Il a accusé là. Moïse a fouillé. Papa Gérard, celui qui a accusé Moïse, c'est Moïse. Amen, amen. Parce que si tu as bien suivi Moïse, Moïse ne va pas t'accuser. Moïse t'a dit que non, il y a culte ici. Toi, quand tu termines, je suis fatigué. Allez, bien. Je vais battre Moïse. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Reprenez les versets. Maman, il y a un verset qu'on est en train de lire. Oui, papa. Allez-y. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste continue à être toujours injuste. Il ne faut pas vous étonner. Tu es ici. En venant ici, tu trouves que non, tu es des injustes. Il y a des gens qui vous supportent. Vous allez chez lui, vous continuez à critiquer les gens. S'il n'est pas Moïse, il va seulement vous. S'il est Moïse, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir chez moi. Parce que l'homme se croit être libre. Mais comme il ne marche pas avec la loi, c'est le libertinage. Allons-y. Que celui qui est souillé se souille. Celui qui est souillé, ce n'est pas moi. Continue à être souillé. Moi qui ne vais pas venir suivre les enseignements. Moi qui viens en retard. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est doit se sanctifier. Mais comment il va se sanctifier? Jean 17. Je vais lire 19, 22, 17. Tu vois, si on t'a confié la charge de cette église, il fallait que tu aies l'œil. Tu vas voir l'oreille. Donc si tu vois bien, Ézéchiel n'est même pas là. Ézéchiel a zaté. Il y a des choses qui arrivent comme ça, tu es là, tu ne vois pas. Des affaires de l'essence. Ce n'est pas votre affaire, je pense que non. Dieu a voulu tout ça pour que vous puissiez, qu'il puisse manifester sa gloire. Oui, allez. Jean 17, 19. Oui.
et je me sanctifie moi-même pour eux. Qui se sanctifie lui-même pour eux? Vous savez, qui est en train de parler? Oui, allez-y. Afin que tu sois aussi sanctifié par la vérité. Je me sanctifie pour eux. Non, ça n'est pas bon, ça pas la tine à la Jésus s'est sanctifié. Pour ses disciples. Pour que la vérité puisse les sanctifier. C'est que pour que vous puissiez les sanctifier. Pour que la vérité sanctifie les autres. C'est à toi de les sanctifier. C'est quand vous trouvez les gens. Donc on continue. Défié dans les services de sanctification. Vous trouvez l'abomination dans le lieu saint. Comment vous allez sanctifier? Parce que la parole ici, elle n'a que pouvoir. Si vous-même vous vous êtes préparé. Vous êtes préparé comment? Dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. C'est que ceux qui sanctifient n'ont d'autre que la parole de l'esprit. Sans parole de l'esprit. Sans enseignement de l'esprit. Vous ne serez jamais sanctifié. Il a dit je suis saint. Soyez aussi saints. Mais ceux qui viennent sanctifier, c'est la parole. Ce n'est pas le fait que tu sois chez toi à la maison. Ce n'est pas le fait que tu écoutes n'importe quoi. Oui. Bien sûr que tout ce qui se vend au marché peut être mangé. Mais ce que tu manges, est-ce que ça contribue à la croissance de ton corps? Est-ce que ça contribue à ce que tu aies plus d'anticorps? Parce que ça c'est bien de l'eau. Il y aura la tribulation. Mais comment est-ce que tu vas faire? Tu n'as aucune arme. C'est pas ça, ils vont pas arriver. Ça va t'emporter. Parce qu'on dit que non, non, c'est qui sanctifie. C'est qui va l'homme de se sanctifier, c'est la parole. C'est pas le fait que tu sois ami au pasteur. Est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi tu parles? Mais remarque. Quand vous venez, moi je ne peux séparer que ce que tu veux. Si tu viens pour que nous puissions critiquer, moi je ne veux pas te dire que non, il ne faut pas critiquer. Alléluia. Amen. Non, quand tu viens, quand tu regardes, je ne sais pas, mais venu pour l'arbre de vie. Mais je ne veux pas les détruire pour lui donner notre arbre. Femme noire, femme africaine. Quand quelqu'un arrive comme ça, je crois qu'il est femme noire, femme africaine. Et qu'elle veut que je puisse complimenter. Mais ne vous en faites pas, c'est la poésie que je veux faire. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un est venu comme ça, quand je vais me tourner. Non, ok, vous passez bien. Bon, c'est quelqu'un qui dit, non, papa, vous savez qu'il a ce pélage à la robe. Moi, qu'est-ce que j'aurais dit, non, c'est la robe. Amen, amen. Mais quand vous partez avec ça, c'est pas le problème. Quand vous allez, vous n'allez pas dire que non. Moi, j'avais dit que vous parlez de la canario. Et lui a dit, Marcassi. Toi, tu dirais que non. C'est une réponse qui est venue. Faites attention, vous. Amen. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Même toi, tu es un Est-ce qu'on se comprend? Faut faire attention.
La manière dont tu vas vers Dieu, je vais te donner un exemple. Le peuple de Dieu va vers Dieu avec les idoles. Quand ils vont consulter l'homme de Dieu, Dieu va répondre selon l'idole de la personne. Quand toi tu penses que ce monsieur ici c'est un voleur, tu vas déjà te demander, Dieu, moi je suis convaincu qu'il est voleur. Montre-moi s'il n'est pas voleur. Mais je sais que c'est un voleur, Seigneur. La réponse que Dieu va te donner, il va te donner la réponse comme étant quoi? Toi tu viens demander vers Dieu. J'aime bien cet homme ici. Mais montre-moi est-ce que c'est lui qui va le plus. Mais je l'aime, Seigneur. Je l'aime, Seigneur. C'est lui ou bien c'est le pasteur. Qu'est-ce que Dieu va te montrer? Ézéchiel 14. Commencez par Ézéchiel 14. Faites attention. Quand ça la guerre. Ézéchiel 14, 1. Quelqu'un des anciens d'Israël vint auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Voilà mon tour. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attaquent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Oui. Mais laisserai-je consulter par eux? Est-ce que je peux me laisser consulter par eux? Oui. C'est pourquoi parle-leur. Parle-leur. Et dis-leur. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Oui. Tout homme de la maison d'Israël. Tout homme de la maison d'Israël. Israël. Qui porte ses idoles dans son cœur. Qui porte ses idoles dans son cœur. Et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. Il attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète. S'il vient s'adresser au prophète. Moi l'Éternel, je lui répondrai. Malgré la multitude de ses idoles. Je vais lui répondre. Mais sache bien que la réponse que tu as, c'est à par rapport à tes idoles. C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Quand tu as tes idoles, tu viens te présenter. Mais on ne te donnera la réponse que selon l'idole que tu as. J'avais même dit aux jeunes filles, si tu trouves quelqu'un, fais un effort pour ne pas commencer à aimer. Commence d'abord par trouver du plaisir seulement. Elle me plaît. Même Samson est allé dire à ses parents, elle me plaît. Elle n'a pas dit que non, je l'aime. Mais toi, tu commences déjà par aimer. Et puis quand tu viens, que non, papa, lingue ma classe. Sans lui, je ne veux plus respirer. Aïe, aïe, aïe. On va se sanctifier à travers la parole de Dieu. C'est la parole qui sanctifie. L'homme, même s'il est comment, plus il écoute, il arrivera un jour où il va tomber sur un enseignement qu'il va aimer et il va tout se conformer. Nous, quand on enseignait, on demandait d'avoir certaines qualités. On doit aimer. Si on aime, on doit être aussi aimable. On doit chercher aussi à se faire aimer. C'est pourquoi, si je prends l'exemple, un professeur, s'il enseigne n'importe quoi, même un cours très compliqué, mais si vous l'aimez, vous finirez par connaître le cours. Les professeurs d'anglais, toujours les mal aimés. Les mathématiques. C'est pourquoi. Amen. Aujourd'hui, maintenant, vous rentrez dans les centres pour aller payer. Je ne suis pas contre
prof Delio. Mais je suis contre vous parce que vous détestiez ces professeurs. Oui, est-ce que vous voulez toujours les déranger quand ils enseignent? Alors, nous vous avons dit non, quand tu vas enseigner, même si la cour est compliquée, prends ces cours, fais en sorte que les gens aiment le cours et toi-même. Et c'est pourquoi on vous a dit, quand vous enseignez, ne sois pas sérieux comme si c'était la bonne vie, c'est la fin du monde. Donc, comme c'est la fin du monde, bien c'est comme si quelqu'un allait dans la réanimation, tout le monde est là. Amen, amen. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, vous voyez, enfant de Dieu, nous allons entrer. Mais qui t'a dit que dans le ciel, on ne rigole pas? Parce qu'il y a même un fruit de l'esprit qui est la joie. Donc tu t'ouvres à Dieu. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Comme si quand on rigole, il y a une loi. Parce que j'ai vu un jour. Un président de la République, tellement qu'il était content, il est allé mettre à côté sur Angela Merkel. Donc il était tellement content. Et c'est quelqu'un qui m'a passé. Alors, mon père, je suis aussi président. Oh, c'est la joie. Et quand on prend les images, c'est Clinton, comment il rigole. Il laisse une image. Il n'y a pas de rappel, il est super désolé. Il y a besoin de discuter. Nous arrivons comme la parole. Donc on a lu le bas. Et le dit la parole de Dieu. Donc l'inga, le bas. Je sais bien que vous aimez trop vos histoires. Ce qui peut nous rendre saints, c'est la parole. Si vous n'écoutez pas la parole, à mon cas, vous deviendrez saints. Je vous donne l'exemple. Hier, nous avons fini avec l'énigme de Samson. Les gens attendaient autre chose sur l'énigme. La réponse qui a été donnée. Tu ne sais même pas. Absolument rien. Mais tu vas te référer à tes anciens cahiers du chemin allé. Mais nous sommes dans le chemin de retour. Tout ça à cause de quoi? De la pluie. La pluie. Boula. Sur. Un enfant de Dieu. Voilà, peut-être que tu es pas mal. Est-ce que vous voulez que c'est pourquoi hier vous n'étiez pas venu? Il y avait des bouchons partout. Des agriculteurs. Je vous comprends. Mais la raison. Vous revenez. Non. Je vous donne un exemple. Papa, vous savez très bien comment est-ce que je suis arrivé le jeudi passé à Jamaïque. J'ai tiré des leçons. C'est dit que non, vous arrivez à la maison comme bouchon. Vous tournez comme ça, bouchon. Vous tournez comme ça, bouchon. Non. Et puis, en fin de compte, quand on vous allez sortir comme ça, vous trouvez papa prof en train de déposer les gens. Il y a des jours où nous faisons deux, trois heures en train de continuer. On retourne, on continue. Mais je dis non, non, l'homme prudent voit le mal venir. J'arrive, je vois qu'il y a un bouchon. Je trouve un petit couloir, je tourne l'église, je vais en dessous du pont, je trouve qu'il y a une église à côté. Je sais, laisse l'église, je dis pasteur, viens sur l'église. Moi je pars. J'ai même le temps d'aller lui dire bébé. Je vais venir, je pars. Et je prends pour la moto. Avec tous les risques, avec la boue, tout ça. Je pars, je suis là l'heure. Vous ne pouvez pas faire ça, hein? Si un médecin peut faire ça, vous êtes malade. Mais tu es malade, elles sont comment? Même toi qui habitais ici, à côté ici. Hier, tu n'as même pas travaillé. Bon, maintenant. Ceux qui ont eu, sincèrement, qui savent bien qu'ils avaient des problèmes hier pour venir, pour arriver à ces lieux, vous allez dresser votre liste. Mais ceux qui savent très bien que non, eux, c'était parce qu'ils croyaient que non, ils sont dans une nouvelle maison. Et on ne sait même pas. C'est là une première expérience de plus. Bon.
maintenant, nous là, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 30. Juges 11, à partir de 30. Hein. Ça va? Chapitre 11. Ici, nous trouvons notre juge qui s'appelle Jephté. Parce que nous voulons que nous, comme tu as écouté la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, il faut une certaine discipline. Parce que sans discipline dans la vie, il n'y aura pas évolution. Si vous voyez que les gens qui sont en train, quand vous entrez seulement dans la maison d'une personne, tu regardes de la maison, tu peux te faire une idée de qui est cette personne par rapport à Moïse. Quand tu trouves, vous êtes avec les gens comme ça, hein? Maman commence, vous avez mangé et puis vous avez laissé les assiettes comme ça. Non, tu les dis parce que les pères sont là. C'est déjà l'habitude. Enlève tout simplement. On les dit, vous vraiment, hein? Est-ce que c'est comme ça? Vous ne voulez pas que je vienne avec les visiteurs? Mais il fallait leur dire avant que tu viennes avec les visiteurs. On comprend les mecs de ici dans cette maison. Ah, d'accord. Moïse n'est pas formé. Parce qu'il doit être de la famille de Lévi. Il est de la famille de Lévi. Les gens qui sont toujours de la famille de Lévi arrivent à mettre au monde Moïse. Maintenant, nous sommes sur les martyrs. Nous allons voir après que Jephté avait fait un vœu à l'Éternel. Il allait se battre. Comme il allait se battre, il a fait un vœu à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit à partir pour ce vœu? Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon neveu retour et fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Vous allez le prendre maintenant, mollo, qu'on comprenne maintenant, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas même si vous avez compris, il y a un problème là-bas. Je vais peut-être faire un vœu. Quel est le vœu? Oui? Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Si l'Éternel livre entre mes mains les fils d'Amon. Ce qui appelle la caillie par l'Amon. Entre mes mains. Oui. Quiconque sortira des portes de ma maison. Celui qui va sortir des portes de ma maison. C'est-à-dire que moi je vais rentrer. Après la victoire des fils d'Amon. Après avoir vaincu mes ennemis. À mon retour. Celui qui va sortir de mes portes. Oui. Au devant de moi. Au devant de moi. À mon heureux retour. Je dois, ça sera un heureux retour. Nous sommes à Essengo. Parce que j'ai vaincu mes ennemis. Je rentre maintenant dans ma joie. Nous sommes à Essengo. Vous savez, il y a un roi. Ça, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est du côté de Grecs et de Romains. Ils sont allés se battre dans un autre pays. Ils ont dit ceci. À votre retour. Si vous revenez avec un drapeau noir, par exemple, je comprends que mon fils a été tué. Mais au retour, si vous hissez un drapeau blanc, ben je comprendrai que mon fils a été donc avec le combat. Ils sont allés se battre. Au retour maintenant, ils ont pris dans la joie, ils ont prié cette consigne-là de. D'enlever le drapeau noir et de mettre le blanc. Quand il revenait avec le navire, papa était sur les rivages, en train de regarder.
En regardant qu'est-ce qu'il a vu, il a vu le drapeau noir. Il a compris que son fils était mort. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sur ses mains et il est décédé. Quand ces gens sont arrivés, ils ont dit non, mais son fils était vivant. Mais ils avaient oublié d'hisser le drapeau blanc. Et c'était bien pour son fils parce qu'il devait commencer à régner. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Je fais affaire à eux. Il a dit, Seigneur, si je rentre, celui qui va me recevoir le premier, je vais les consacrer à l'éternel. Je vais l'offrir comme un sacrifice. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jephté revient. Content parce que l'Éternel avait livré ses ennemis. Le terre acta contre les fils d'Amon. L'Éternel les livra entre ses mains. L'Éternel a livré les fils d'Amon entre les mains de Jephté. Il leur fit éprouver une grande défaite. C'était une grande défaite chez les fils d'Amon. Les fils d'Amon là créent toujours des problèmes à Israël. Rappelez-vous même dans les livres de Chroniques. Seigneur, n'est-ce pas ta mère qui a la puissance et la force? Où nul homme ne peut résister. Il y a une de mes sœurs qui aime bien ces versets-là. Si elle veut faire, elle me dit, le verset là dans Chronique là. Oui, allons-y. Non, ce n'est pas. Ne dites pas. Allons-y. Les gens qui vont le manquer. Qu'est-ce que vous allez chercher? Allons-y. Il faut bien éprouver une grande défaite. Maman, qu'est-ce que tu fais comme la juge? Oui, je sais quoi. Est-ce que je pèse tout le temps? Depuis, Avoé, jusqu'à 20 minutes. Oui, ils ont bâti, ils ont conquis, ils ont vaincu. L'espace qui renfermait 20 villes. Ok. Jusqu'à Abel Keramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Les fils d'Amon étaient humiliés. Devant les enfants d'Israël. Oui. Jephté retourna dans sa maison. Jephté va rentrer maintenant dans sa maison. Il y a un Amispa. Et voici. Voici. Sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. Sa fille va sortir. Moi, des tambourins et des danses. La fille de Jephté, parce que c'était la victoire. Ils sont pour accueillir son père. Mais sachant pas ce que son père avait demandé à Dieu. C'était son unique enfant. Jephté n'avait qu'une seule fille. C'est une fille. Rappelez-vous, nous les mamans, nous avons vu une leçon où quand on donnait l'héritage, il y a certaines filles qui sont venues réclamer. Nous avons aussi droit. On leur a dit, oui, on va donner l'héritage. Mais vous ne pouvez pas vous marier en dehors d'eux. Oui. La fille sort avec des danses, avec des tambourins. Il n'avait point de fils et point d'autre fils. Une fille unique. Comme Jésus, il est fils unique de Dieu. Lui n'avait que cette fille unique. Mais comment lui Jephté peut avoir seulement une seule fille? Et les filles? Il n'est pas fils unique. Oui. Dès qu'il l'a vu. Dès que Jephté a vu sa fille. Il déchira ses vêtements et dit. Il déchira ses vêtements. J'imagine un peu quelque chose de heureux où tout le monde devait festoyer. Sa fille venait pour l'accueillir. Jephté déchire ses vêtements. Oui. Ah ma fille. Oh ma fille. Tu me jettes dans l'abattement. Tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Tu es au nombre des gens qui sont en train de me troubler.
J'ai fait un vœu à l'Éternel. Moi, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Ah, c'est là qu'il fait pas Yahweh. Et je ne peux le révoquer. Je ne peux pas révoquer ce vœu. Elle lui dit. La fille lui dit. Mon père. Oh, mon père. Ah, si tu as fait un vœu à l'Éternel. Si tu as fait un vœu à l'Éternel. Je ne peux pas le révoquer. Traite-moi selon ce qui est sorti de ma vie. Tu dois me traiter selon ce qui est sorti de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait des vœux. Tu es son enfant. Et c'est vrai qu'un bon moment là est. Limonner et puis donc le consumer. Et c'est vrai qu'il va bon moment va tomber. Fais ce que tu as demandé comme selon ton vœu. Mais je veux te demander une chose. Laisse-moi que je puisse aller pleurer ma virginité. Lise un peu. Laisse-moi aller pleurer d'abord ma virginité. Et dis-moi si tu peux aller pleurer ta virginité. C'est pourquoi, parmi les martyrs, il y a les saints. Bon, permettez que je dise un petit mot à, aux aigles, aux oiseaux du ciel. Les titres qui est au tableau. Si vous voulez l'écrire, écrivez ceci. Saint, Vierge et Martyr. Saint, Vierge, Martyr. Votre vie en dépend. Alors, nous voyons ceci que nous, non. La fille ici qui doit être martyre. Voilà, parce que c'est là. Elle était vierge. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est hyper beau. Ça, lui-même, ça s'est occupé des plafonniers. Il s'occupe des plafonniers aujourd'hui. Non, vous n'allez pas vous plaindre. Oh non, il fait son nom. Même si vous êtes noir, il n'y a pas de problème. Vous savez quand est-ce que vous êtes venu. Je dois récupérer mon retard là sur vous. Mais vous avez des rendez-vous. Hein. Très important que ce que je suis en train de vous dire. Donc ça reviendra encore à votre. Allons-y, oui. Elle dit à son père. Elle dit à son père. Que ceci me soit accordé. Que ceci me soit accordé. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi libre pendant 2 mois. Tu vas me laisser libre pendant 2 mois. Et je m'en irai. Je m'en irai. Je vais dans les montagnes. Je vais aller dans les montagnes. Je vais commencer à pleurer ma virginité. Avec mes compagnons. Mes compagnons, oui. Parce que s'il va pleurer avec les compagnons, les compagnons comme Moïse ici, je ne sais pas, ils ne sont pas mangés, ils ne sont pas mangés. Oui. C'est alors qu'en Israël, on va établir une loi. Il répondit, va et la laissa libre pour 2 mois. Oui. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. On va pleurer sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint avec son père. Au bout de 2 mois, il est revenu vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Et son père a accompli le vœu qu'il avait fait. Il devait l'offrir en holocauste. Elle n'avait point connu d'homme. Oui. Dès lors, s'établit en Israël la coutume. Quelle coutume? Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galalite, 4 jours par an. Par an? Nous devons célébrer la fille d'Égypte pendant combien? 4 mois. 4 jours. Toi, tu as fait un vœu. Mais le vœu là, voilà que ça arrive. Tu as vaincu tes ennemis. Rappelez-vous, un jour, nous avons parlé d'un monsieur. Ce monsieur a fait une prière. Quelle était la prière de ce monsieur-là? Seigneur, si tu peux m'accorder seulement une vache. Une vache, Seigneur. Je t'en serai très reconnaissant. Cette vache va nourrir ma famille. Alors, Dieu, quelques temps après, Dieu a exaucé à la prière de cet homme. Il va venir en songe dire à cet homme, tu vas aller dans la prairie.
J'ai déjà réservé ta vache. Mais prends 20. Soit 20. Il y a 21 vaches. Tu prendras ta vache que toi tu m'avais demandé. C'est que toi tu m'as donné. Tu m'as demandé. Tu prends ta vache. Prends les 20 vaches. Amen. Toi tu as demandé une vache. Oh, les voisins, tu ne sais pas comment c'est arrangé avec Dieu. Ça, c'est pas ton problème. Les voisins ont d'autres vaches. Mais Dieu te demande de prendre parce que les voisins ne savent même pas que toi tu es en contact avec Dieu. Prends ta vache à toi que tu as demandé en prière. Mais prends les vaches, tu vas donner aux voisins. Papa, prof, tu fais comment? Je vais lui donner. On exécute. Ça va, c'est bon. J'exécute malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout, comment? Quand tu avais demandé combien de vaches? Mais je t'ai donné. Tu n'as pas donné ta vache? Mais le chrétien, les gens ne prennent pas ce qu'on t'a demandé de prendre 20 vaches d'aller donner à ton voisin. On te dit, comment? Toi, tu as demandé combien, papa? On accepte seulement. Mais on te donne ta vache. On te demande de prendre les autres d'aller donner à tes voisins. Comment tu commences à dire que c'est malgré moi je vais aller donner? Si tu avais demandé deux vaches, je ne pouvais pas te les donner. Si tu avais demandé même une vraie vache, Dieu n'allait pas te donner. Mais tu ne sais pas le voisin s'il a demandé deux vaches. Mais ces vaches doivent passer par quoi? Je vois que non. Maman Rita, tu fais comment? Avec l'histoire des vaches. Tu vas donner ou bien tu vas garder quelques vaches pour toi. Oui? C'est pas possible. Donc, tu vas dire à Dieu, comprends-moi que je vais t'ajouter. Ah. Maintenant, amen. Est-ce que si toi aussi, après t'avoir donné la vache, tu deviens comme Dieu, je voudrais que tu m'accordes à part. Accorde-moi encore trois vaches. Il va me donner la côté. Non, toi tu veux profiter seulement de ce que toi tu vois. Alléluia. Nous faisons le feu. Parce que un martyr, c'est par rapport à la vie. Jean 12, 27. Ouais. On va maintenant comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Jephté, lui, il a pleuré. Mais il a exécuté le feu. Mais toi, je sais comment est-ce que tu vas agir. Maman Feza, nous allons avec toi, par exemple. Quand nous allons avec toi, tu as promis, tu dis que non. Là, nous allons. Si on me donne 100 dollars, je vais te donner 10 dollars. Nous arrivons là-bas, on vous donne 1000 dollars. Tu m'avais promis, si tu as 100, tu me donnes combien? 10 dollars. Si maintenant on te donne 1000? 100 dollars. Oh, oui, papa, tu dois te donner combien? Oh mon Dieu! Ouais? Oh. C'est pas possible. Papa, prof, vous entendez? Oui, papa, répétez ce que vous venez de dire. Dis quoi? 10. Même s'il a 1 million, il donne 10. La logique de papa Simon est la suivante. Il a promis de donner 10 dollars si
Il a donné 10 et il va donner 10. Même si 1 million. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu est bien. En matière d'argent, vous imaginez même Papa Simon a accompagné. Papa, maman Rita a accompagné Papa Simon. Papa Simon dit qu'il va donner 10. Maman Rita dit que l'on va vous mentir. Donc, voyez déjà, il y a un problème. Maman Rita, il faut qu'on donne combien? Oui. Ah, mais il y a à propos de l'argent. On est pressé, hein?
dans les 10%, les 10 dollars, les 200, les tout ça, tout ça, tout ça. Mais si vous allez et qu'on ne nous donne rien, vous faites comment? Après, si on paye de l'autre côté, là, il n'y a pas de problème. Si vous allez maintenant, on vous donne 50 dollars. Papa, si vous faites comment? 10 dollars. Ça dit quoi? Ah, c'est pas possible. Ah, oh, Jésus-Marie Joseph. Vous dites quoi? Vous avez eu 50. Maintenant, vous allez donner combien? Il y a un problème ici. J'ai posé la question à papa. J'ai dit si on vient de ça, on venait 50. Papa dit c'est bien là, comme ce n'est pas ça. Je vais regarder quand même, je peux payer les transports, je vais donner 10 francs. Dis-moi, ça c'est papa Simon. Vous comprenez les raisonnements déjà de la parole. Maman dit, vous allez faire comment? Si on donne 1000 francs, vous allez faire comment? On a donné 50 dollars. Lui avait dit si c'est 100, il te donne 10 dollars. Mais là, on donne 50. Donc là, tu me prends. Mais si c'est 1000, descend. Ah. Papa, il y a une petite affaire pour moi. Il y a Parce que les services au niveau du corps. Donc, voici. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois.
Il entre à Sarepta. Après, il aborde à Sarepta. Il va croiser une femme veuve. Qui est en train de ramasser du bois. Il y a des moments où on te trouve en train de ramasser du bois. C'est quoi le bois que quelqu'un peut ramasser? Lui, il est en train de ramasser le bois. Le bois va le servir à préparer quelque chose à manger. Chaque fois que nous marchons, on peut trouver quelqu'un en train de ramasser du bois. Le bois qu'on ramasse, ce n'est pas le bois pour aller accuser les frères qu'il y ait des querelles. C'est le bois qu'il faut ramasser les jours de sabbat. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On est même sur le même longueur d'onde. Si on n'est pas ensemble, donc tu risques de sortir d'ici avec l'agent de transport. Là, je veux seulement penser à toi. Oui, oui. La femme ramassait du bois. Oui. Il l'appela et dit. Élie va appeler cette femme-là. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans mon vase. La femme ramassait du bois. Élie lui dit ceci. Va d'abord me chercher à boire. Après qu'elle ramassait du bois. Elle faisait un autre travail. Mais Élie lui dit, va me chercher d'abord à boire. Oui. Afin que je boive. Et elle a cherché. La femme a laissé l'histoire de lancer du bois. Elle va d'abord chercher. Toi, il y a des moments où tu es en train de tensionner. On t'envoie. Tu sais comment tu réagis. Où tu es en train de travailler. On te dit que non, tu vas aller, par exemple, à Jamaïque. Tu sais comment tu réagis. Va me chercher à boire. Oui. Elle n'a pas fait comme la femme samaritaine. Elle est allée chercher. Elle a porté à boire. Parce que ce jour-là, je dirais, j'avais soif. Est-ce que tu m'avais donné? Pendant qu'on se trouve en train de faire autre chose. Mais on te demande à boire. C'est pas franc. Toi, tu cherches autre chose. Tu es en train de faire autre chose. Mais on te demande à boire. Oui, elle est allée, elle a cherché. Oui. Il appela de nouveau et dit. Pendant, il a vu. Il a encore de nouveau. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Moi, je voudrais seulement que toi. Tu m'apportes maintenant. Il a demandé à boire. La personne travaille. Cherchait du bois. Elle a laissé tomber ce qu'elle a. Elle est allée chercher. À quel point il a apporté. Amen. Il l'appelle encore de nouveau. Reviens sur tes pas. Soda. Et apporte-moi maintenant un morceau de pain. De tes mains. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre. Mais que ça vienne de toi, Seigneur. Et où t'as oui. Il a répondu. Voilà la réponse de cette femme-là. Éternel, ton Dieu est vivant. Oh, comment est-ce que cette femme savait que non? Cet homme ici, il dit que l'Éternel, ton Dieu à toi, est vivant. Cette femme-là savait qu'elle ne connaissait pas, c'était la première fois. Mais elle a compris que non, ça c'est un homme de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est encore vivant. Je sais qu'il vit. Comment est-ce qu'il a découvert que l'Éternel vivait? Qu'est-ce qui fait que c'est qu'elle aussi, il y avait l'Éternel en elle. Il y a ceux qui avaient aussi l'Éternel. Oui. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile. Je n'ai qu'une poignée de farine. Le pot. Et un peu d'huile. Et voici. Je ramasse seulement deux morceaux de bois. Or, ici pour allumer le bois. On n'arrive pas avec deux bois. Il faut trois. Le Seigneur dit ça toi. Alléluia. Amen. Pour l'allumer. Voilà, on fait ça. On ne met jamais deux. On fait toujours trois. Dis ça tout.
Et elle, elle avait besoin de deux. Allons-y. Oui, je rentrerai. Oui, je vais rentrer. Quand je vais rentrer le deux, mon sang de roi. Je vais rentrer. Dans la Kozonga. Oui. Et je préparerai cela pour moi et pour la fille. J'ai un fils aussi. Mais je vais préparer ce pain. Pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Après avoir mangé seulement ce pain-là, c'est ce qui est resté. Petit Ali. Si nous mangeons, moi et mon fils. Nous parlons de partir. Ne soyez pas, ne déviez pas. Alors qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Élie lui dit, ne crains point. Parce que toi tu crains toujours. Mais je vais donner l'exemple ici. Le Dieu là, il est vachement riche. Pour ce que tu le demandes, si tu fais ta, sa volonté, je vais te l'accorder. Lui, il a aussi son temps. Toi, j'ai aussi ton temps. Quand tu fais une promesse, et la carte, je vais le réaliser. Nous sommes limités. Au lieu de demander tout ce que tu. Donc tu as besoin. Toi, tu te mets déjà à la place de Dieu. Mais tu penses que Dieu est incapable. Là-bas, Dieu n'est pas comme un homme. Parce que nous, on faisait comment? Quand on faisait ce qu'on appelle la lutte, on était les leaders. Avant de devenir un catcheur, on est leader. On mettait un fil. Tu mets un fil comme ça. Tu viens, tu cours, tu sautes, mais là tu vas retourner. On commence comme ça. On monte comme ça. Et quand j'arrive, tu sautes. Et pour amortir les choses, il faudrait savoir que non, il faudrait que ce soit les efforts doivent en premier lieu. Et nous avons fait ça. Et on continue à mettre la barre. La barre de Dieu. Quand tu mets ta barre, à moins que ce soit pour une mauvaise intention. Si c'est pour que Dieu voit aussi son intérêt dedans. Mais toi, tu sais placer la barre où tu veux. Toi, tu places la barre où tu veux. Parce que c'est pas toi qui vas sauter. Il va sauter. Il va venir même, il enlève après, il saute, il dit, bon, je suis arrivé. Est-ce que vous comprenez? Si. C'est comme un homme, on a dit ceci. On a dit, on prend un œuf. On dit, c'est lui qui sera capable de mettre l'œuf, d'asseoir l'œuf sur la table. Sans problème, il a un cadeau. On passe un cadeau. Quelqu'un vient mettre comme ça, ça tombe. On doit dire que un autre est venu, il a pris l'œuf. Il a fait ça comme ça. Il a cassé un peu. À bout de mon cœur. Tiens. Il laisse. Vous faites ça comme ça. Amen, amen. Amen. Et puis il laisse le là. L'église est fatiguée. C'est question d'imagination. Les alliés, ici. Moi, quand tu veux demander à Dieu, cherche toutes les conditions normales. Que ce soit des températures, que ce soit des espaces. Mon Dieu, j'ai besoin de $250 pour ouvrir mon salon de papier. C'est ça que toi tu as besoin. À côté là, il y a quelqu'un. Mais, tu veux quoi, 100 000. Avec un 100 000, j'ai un camion 8 billets. Je vais vous encourager à ces 100 000. 8 billets. Toi, tu as demandé pour ton salon de coiffure. Oui, il a demandé pour son camion, puisqu'il sait bien que là, si ça, déjà un matin, si ça revient ici, il a déjà ce projet avec lui. Comme ça, avec ça, si ça vient comme ça. Donc, une année de deux. Je vais payer. Je vais pour les deux. Je vais payer. Dans cette année, la campagne de. Je vais payer. Dans cette année.
Toi, tu as demandé ton salon de profil. Pour que toi, tu manges avec tes enfants. Parce que si je vois des clients par jour qui viennent au salon de profil, ça va me permettre d'économiser un peu et pour de manger. Et voilà, les enfants souvent bien étudiés. Les mecs viennent déjà ici. Toi, tu as demandé tes 250 dollars. Tu les auras. C'est lui qui a demandé aussi son camion là, si c'est 20 pneus, si c'est 16 pneus. Il va l'avoir parce que je comprends que toi, c'est pour que tes enfants vivent. Est-ce que tu peux laisser tes enfants mourir de faim? Non. Tu as bien fait ta prière pour tes enfants. Lui aussi, il a fait la prière. Mais il sait que c'est non, pour payer les problèmes là, c'est pas Dieu, c'est Dieu qui va manger. Mais plus c'est pour que l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Si l'autre a son camion. Toi, tu as ton salon de coiffure. Tu s'arrêtes à nous. Parce que vous priez au bout de lui. Vous êtes voisins dans les prières. Mais Caïn et Abel, c'est comme ça. Caïn et Abel, c'est comme ça. La prière que toi tu fais là pour demander ton salon de coiffure. C'est une offrande de Caïn. Et ça, il dit pour Caïn. L'autre qui est à côté là. Oh, ça vous passe. C'est l'offrande d'Abel. Et ça, Abel. On continue. Vous allez comprendre. Allons-y, c'est bien. Rentre, fais comme tu as dit. Va faire ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit. Ce que toi tu as là, prépare d'abord pour l'homme de Dieu. Prépare pour l'homme de Dieu. On doit préparer cette nourriture qu'on doit lui donner. Or, la nourriture, c'est faire quoi? La nourriture, c'est dire quoi? Je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. C'est ce que signifie la nourriture. Les gâteaux que toi tu prépares là. Gâteaux à l'école comme ça. Fais avec ça ma nourriture à moi. Ça la voie à la bille, il faut la moto zambé. Est-ce qu'on se comprend? Amina. Mais toi tu es là, tu dis que ça c'est pour moi, pour vivre, que moi je vive, moi et mon enfant. Oui, ça dit pour la gâteau, il a mort la gâteau. Même si les lèvres de Dieu vont tout ça, il n'y a pas de problème. C'est ce qui me reste, papa. Et c'est le quoi qui n'a dit qu'il a mort. Mais nous avons les missions à payer. Vous avez dans l'état de qu'est-ce que je veux payer mes enfants, ils étudient à Mokeleyaye. Je dis à Monseigneur Monke, voilà, je dois payer 700 dollars pour ces enfants. Mais toi, c'est dans les missions, ça va faire quoi? Payer le loyer de l'église. Est-ce que je suis le seul dans cette église? Pour que je prenne la charge de tous ces gens ici. Moïse est serviteur. Permettons pour devenir saint. Voilà comment on va saint. Comment est-ce que nous devenons saint? J'ai dit comment on va saint. Parce que si j'allais vous demander, je commence d'abord par ceux qui ne veulent pas être saint. Apocalypse. Comment est-ce qu'il veut aujourd'hui tellement pour que nous puissions parler de lui aujourd'hui? Bon, on est de tout le temps qu'on va revenir. On va revenir dans notre livre habituel. Oui, allez-y. Mais c'était pour vous faire voir. Parce que nous allons plus nous atteler sur les martyrs. Mais les deux ici vont nous aider. Pour être saint, on va passer par Moïse. C'est pas ce qui va te permettre. Saint Moïse. Moi, je ne vais pas vous accuser. Moïse. Il a eu un problème au service. Il a accusé là. Moïse. Moïse a fouillé. Comme ça là. Papa Gérard, celui qui a accusé Moïse, c'est Moïse. Amen, amen. Oui. Parce que si tu as bien suivi Moïse, Moïse ne va pas t'accuser. Moïse t'a dit que non, il y a culte ici. Toi, quand tu termines, je suis fatigué. Je vais battre Moïse. Amen. Apocalypse 22. Ok, j'ai dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Reprenez les versets. Maman, il y a un verset qu'on est en train de lire. Oui, papa.
Allez-y. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste. Ouais, continue à être toujours injuste. Ils ne sont pas vous étonner. Tu es ici. En venant ici, tu trouves que non, tu as des injustes. Il y a des gens qui vous supportent. Hein. Vous allez chez lui, vous continuez à critiquer les gens. S'il n'est pas Moïse, il va seulement vous. S'il est Moïse, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir chez moi. Vous venez ici, nous allons évangéliser les autres. Vous ne faites pas discipliner. La discipline, c'est ça, Moïse. On dit une discipline, nous qui avons fait, qui avons été dans l'enseignement, le cours s'appelle discipline. Cette discipline peut avoir 2 heures. Le cours semble bon dans là-bas. C'est une discipline. Et si vous n'êtes pas discipliné, c'est ça. Que nous appelons les libertinages. Parce que l'homme se croit être libre, mais comme il ne marche pas avec la loi, c'est les libertinages. Allons-y. Que celui qui est souillé se souille. Si tu es souillé, ce n'est pas moi. Continue à être souillé. Toi qui ne veux pas venir suivre les enseignements, reste. Toi qui viens en retard. Continue à être comme ça. Tu as la bénédiction. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est doit se sanctifier. Mais comment il doit se sanctifier? Jean 17. Je vais lire 19, 17. Tu vois, si on t'a confié la charge de cette église, il fallait que tu aies l'œil. Tu vas avoir l'oreille. Donc si tu vois bien, Ézéchiel n'est même pas là. Ézéchiel a sa tête. Il y a des choses qui arrivent comme ça, tu es là, tu ne vois pas. Les aveugles de l'essence. Ce n'est pas votre affaire, parce que non. Dieu a voulu tout ça pour que vous puissiez, qu'il puisse manifester sa gloire. Oui, allez-y. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Qui se sanctifie lui-même pour eux? Vous savez, qui est en train de parler? Afin que tu sois aussi sanctifié par la vérité. Je me sanctifie pour elle. Jésus s'est sanctifié pour ses disciples. Pour que la vérité puisse les sanctifier. C'est que pour que vous puissiez les sanctifier, pour que la vérité sanctifie les autres, c'est à toi de se sanctifier. C'est quand vous trouvez les gens, donc on continue d'essuyer dans les services de sanctification. Vous trouvez l'abomination dans le lieu saint. On continue alors par pire dans ma casse, la casse est très simple. Mais comment vous allez sanctifier? J'ai dit qu'on pouvait le faire. La parole ici, il va, elle n'a de pouvoir. Et ça, la peau, si vous-même vous vous êtes préparé, vous êtes préparé comment? Dans la sanctification. Alléluia. Oui. 17. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. C'est que ceux qui sanctifient, n'est d'autre que la parole de l'Esprit. Sans parole de l'Esprit. Sans enseignement de l'Esprit. Vous ne serez jamais sanctifié. Il a dit je suis saint. Soyez aussi saints. Mais ceux qui viennent sanctifier, c'est la parole. Ce n'est pas le fait que tu sois chez toi à la maison. Ce n'est pas le fait que tu écoutes n'importe quoi.
Bien sûr que tout ce qui se vend au marché peut être mangé. Mais ce que tu manges. Et ça contribue à la croissance de ton corps. Ça contribue à ce que tu aies plus d'anticorps. Parce que ça change de nom. Il y aura la tribulation. Mais comment est-ce que tu vas faire? Tu n'as aucune arme. C'est pas un qu'ils vont pas arriver. Ça va t'emporter. Parce que nous avons ceux qui sanctifient. Ceux qui vont aider l'homme de se sanctifier, c'est là. C'est pas le fait que tu sois ami au pasteur. Le peuple de Dieu va vers Dieu avec les idoles. Quand ils vont consulter l'homme de Dieu, Dieu va répondre selon l'idole de la personne. Quand toi tu penses que ce monsieur ici c'est un voleur, tu vas déjà demander Dieu. Moi je suis convaincu qu'il est voleur. Montre-moi s'il n'est pas voleur. Mais je sais que c'est un voleur, Seigneur. La réponse que Dieu va te donner. Et alors, ça va au père Sayo. Il va te donner la réponse comme étant quoi? Toi, tu viens demander ça à Dieu. Seigneur, j'aime bien cet homme ici. Faites attention. Dans ça la kebab. Ézéchiel 14, 1. Quelqu'un des anciens d'Israël vint auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Voilà, moto. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attaquent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Oui. Mais laisserai-je consulter par eux? Est-ce que je peux me laisser consulter par eux? Oui.
C'est pourquoi parle-leur. Parle-leur. Et dis-leur. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Oui. Tout homme de la maison d'Israël. Tout homme de la maison d'Israël. Qui porte ses idoles dans son cœur. Qui porte ses idoles dans son cœur. Et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. Il attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète. S'il vient s'adresser au prophète. Moi, l'Éternel, je lui répondrai. Malgré la multitude de ses idoles. Je vais lui répondre. Mais sache bien que la réponse que tu as, c'est par rapport à tes idoles. C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Quand tu as tes idoles, quand tu viens te présenter, on ne te donnera la réponse que selon l'idole que tu as. J'avais même dit aux jeunes filles, j'avais dit aux jeunes garçons, si tu trouves quelqu'un, fais un effort pour ne pas commencer à aimer. Commence d'abord par trouver du plaisir seulement. Elle me plaît. Même Samson est allé dire à ses parents, elle me plaît. Elle n'a pas dit que non, je l'aime. Mais toi, tu commences déjà par aimer. Et puis quand tu viens, tu vas lingué ma classe. Sans ligne, je ne veux plus rester. Aïe, aïe, aïe. On va se sanctifier à travers la parole de Dieu. C'est la parole qui sanctifie. L'homme, même s'il est comment, plus il écoute, plus il écoute, il arrivera un jour où il va tomber sur un enseignement et il va aimer et il va toujours se conformer. Nous, quand on enseignait, on demandait d'avoir certaines qualités. On doit aimer. Si on aime, on doit être aussi aimable. On doit chercher aussi à se faire aimer. C'est pourquoi, si je prends l'exemple, un professeur, s'il enseigne n'importe quoi, même un cours très compliqué, mais si vous l'aimez, vous finirez par connaître le cours. Les professeurs d'anglais sont toujours les mal-aimés. Les mathématiques. C'est pourquoi. Amen. Aujourd'hui, maintenant, vous rentrez dans les centres et vous allez payer. Je ne suis pas contre prof Delio, mais je suis contre lui parce que vous détestiez ces professeurs. Et vous pouvez toujours les déranger quand ils enseignent. Alors, nous vous avons dit non, quand tu vas enseigner, même si le cours est compliqué, prends ce cours, fais en sorte que les gens aiment le cours et toi-même. Et c'est pourquoi on vous a dit, quand vous enseignez, ne sois pas sérieux comme si c'était la bonne vie de la fin du monde. Donc, comme c'est la fin du monde, bien c'est comme si quelqu'un d'ailleurs dans la réanimation, tout le monde est là. Amen. Non, c'est pas comme ça. C'est ça le lien qui a voté. C'est pas comme ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous voyez, enfin de Dieu, nous allons entrer. Mais qui t'a dit que dans le ciel, on ne rigole pas? Ça ne veut dire que la va se caractériser. Parce qu'il y a même un fruit de l'esprit qui est la joie. Donc tu t'ouvres à Dieu. C'est la joie. Comme si quand on rigole, il y a une loi. Parce que j'ai vu un jour. Un président de la République, tellement qu'il était content, il est allé le droit d'apporter sur Angela Merkel. Donc il était tellement content. Mais c'est le gars qui m'a passé. Alors, mon cœur, c'est tout comme ça. Je suis aussi président de la République. Oh, c'est la joie. Et quand on prend les images, des Clinton, comment il rigole, il faut voir. Il laisse le pas. Il n'y a pas de rappeler le délai, je suis désolé. Nous arrivons comme la parole. Aimez bien la parole de Dieu. Je sais bien que vous aimez trop vos histoires. Ce qui peut nous rendre saints, c'est la parole. Si vous n'écoutez pas la parole, vous n'aurez pas
deviendrez ça. Attends, je vous donne un exemple. Là, qui ça? Hier, nous avons fini avec l'énigme de Samson. Les gens attendaient autre chose sur l'énigme. La réponse qui a été donnée. Et ça m'a dit. Tu ne sais même pas. Absolument rien. Mais tu vas te référer à tes anciens cahiers du chemin allé. Mais nous sommes dans le chemin. Tout ça à cause de quoi? De la pluie. La pluie. Boula. Sur. Un enfant de Dieu. Voilà, est-ce que vous voulez que vous voyez? C'est pourquoi hier vous n'étiez pas venu. Il y avait des bouchons partout. Je vous comprends. Mais la raison, moi je vous comprends. Papa, moi je vous comprends. Alors, hier à comprendre. Mais la raison, ma terre à voilà. Vous revenez. Non. Je me donne un exemple. Là, qui ça? Papa, vous savez très bien comment est-ce que je suis arrivé le jeudi passé à Jamaïque. J'ai tiré des leçons. C'est-à-dire que non, vous arrivez à la maison comme bouchon. Vous tournez comme ça, bouchon. Vous tournez comme ça, bouchon. Non. Et puis, en fin de compte, quand on vous allez ressortir comme ça, vous trouvez papa prof en train de déposer des gens. Il y a des jours où nous faisons deux, trois heures en train de continuer. On contourne, on contourne. Mais je dis non, non, l'homme prudent voit le mal venir. J'arrive, je vois qu'il y a un bouchon. Je trouve un petit couloir, je tourne le vécu, je vais en dessous du pont, je trouve qu'il y a une église à côté. Je laisse l'église, je dis pasteur, vais sur l'église. Moi je pars. J'ai même le temps d'aller lui dire de venir. Je venais, je pars. Et je prends la moto, avec tous les risques, avec la boue, tout ça, tout ça. Je m'arrête, je suis là l'heure. Vous ne pouvez pas faire ça, hein? Si un médecin peut faire ça, vous êtes malade. Mais tu es malade, elles sont comment? Même toi qui as douté ici, à côté ici. Hier, tu n'as même pas travaillé. Bon, maintenant, ceux qui ont eu. Sincèrement, qui savent bien qu'ils avaient des problèmes hier pour venir, pour arriver à ces lieux. Vous allez dresser votre liste. Mais ceux qui savent très bien que non, eux, c'était parce qu'ils priaient que non, ils sont dans une nouvelle maison. Et on ne sait même pas. C'est là une vraie référence de plus. Bon. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 30. Juges 11. À partir de 30. Hein. Ça va? Chapitre 11. Juges 11. Oui. Ici, nous trouvons notre juge qui s'appelle Jephté. Parce que nous voulons bien que nous, comme tu as écouté la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, il faut une certaine discipline. Parce que sans discipline dans la vie, il n'y aura pas évolution. Si vous voyez que non, les gens sont en train de comme vous entrez, seulement dans la maison d'une personne. Tu regardes de la maison. Tu peux te faire une idée de qui est cette personne par rapport à Moïse. Quand tu trouves, vous êtes avec les gens comme ça, hein? Maman commence. Vous avez mangé et puis vous avez laissé les assiettes comme ça. Non, tu les dis parce que les pierres sont là. C'est déjà l'habitude. Enlève tout simplement. On les dit, vous vraiment, hein? Est-ce que c'est comme ça? Vous ne voulez pas que je vienne avec les visiteurs? Mais il fallait leur dire avant que tu viennes avec les visiteurs. On comprend les règles alors, ici dans cette maison. Ah, d'accord. Moïse n'est pas borné. Est-ce qu'il doit être de la famille de Lévi? Il est de la famille de Lévi. Les gens qui sont toujours de la famille de Lévi arrivent à mettre au monde Moïse. Maintenant, nous sommes sur le martyr.
Latina. Parce que les martyrs. Ah, on va pouvoir Latina. Nous allons voir après que Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Eh, à cela qui fait pas un vœu. Il allait se battre. Comme il allait se battre, il a fait un vœu à l'Éternel. Ah, cela qui fait pas un vœu. Qu'est-ce qu'il a dit à part pour ce vœu? Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon neveu retour les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Vous allez le prendre maintenant, mollo, qu'on comprenne maintenant. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas même si vous avez compris, il y a un problème là-bas. Jephthé va faire un vœu. Quel est le vœu? Oui. Il livre entre mes mains les fils d'Amon. Si l'Éternel livre entre mes mains les fils d'Amon. Ce qui a fait si la caillie va à l'Amon. Entre mes mains. Ma langage, oui. Quiconque sortira des portes de ma maison. Celui qui va sortir des portes de, de ma maison. C'est-à-dire que moi je vais rentrer. Après la victoire des fils d'Amon. Après avoir vaincu mes ennemis. À mon retour. Celui qui va sortir de mes portes. Au devant de moi. À mon heureux retour. Ça sera un heureux retour. Parce que j'ai vaincu mes ennemis. Je rentre maintenant dans ma joie. Vous savez, il y a un roi. Ça, c'est du côté de grec et de romain. Ils sont allés se battre dans un autre pays. Ils ont dit ceci. À votre retour, si vous revenez avec un drapeau noir, je comprends que mon fils a été tué. Mais au retour, si vous hissez un drapeau blanc, là, je comprendrai que mon fils a été donc avec le combat. Ils sont allés se battre. Au retour maintenant, ils ont pris dans la joie, ils ont pris cette consigne-là de. Dans les verres, le drapeau noir et de mettre le blanc. Quand il revenait avec le navire, papa était sur les rivages. Papa en train de regarder. En regardant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le drapeau noir. Il a compris que son fils était mort. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sur ses mains et il est décédé. Quand ces gens sont arrivés, ils ont dit non, mais son fils était vivant. Mais ils avaient oublié d'hisser le drapeau blanc. Et c'était bien pour son fils parce qu'il devait commencer. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Jephthé a fait un vœu. Il a dit, Seigneur, si je rentre, celui qui va me recevoir le premier, je vais le consacrer à l'Éternel. Je vais l'offrir comme un sacrifice. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jephthé revient. Content parce que l'Éternel avait livré ses ennemis. Le terre acheta contre les fils d'Amon. Et l'Éternel les livra entre ses mains. L'Éternel a livré les fils d'Amon entre les mains d'Égypte. Il leur fit éprouver une grande défaite. C'était une grande défaite chez les fils d'Amon. Les fils d'Amon là créent toujours des problèmes à Israël. Rappelez-vous même dans les livres de Chroniques. Seigneur, n'est-ce pas ta mère qui a la puissance et la force? Où nul homme ne peut résister. Il y a une de mes sœurs qui aime bien ces versets-là. Si un verset, elle me dit, le verset là dans Chronique là. Oui, allons-y. Non, ce n'est pas. Ne lisez pas. Allons-y. Regarde les gens, ils vont le voir pour prier. Qu'est-ce que vous allez chercher? Allons-y. Il faut bien éprouver une grande défaite. Maman, qu'est-ce que tu fais comme la juge les douze des verres. Oui, c'est quoi? Est-ce que je pèse tout le temps? Depuis Aroé,
plus que 20 ministres. Oui, ils ont bâti, ils ont conquis, ils ont vaincu. L'espace qui renfermait 20 villes. Ok. Jusqu'à Abel Keramine. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Les fils d'Amon étaient humiliés devant les enfants d'Israël. Oui. Jephthé retourna dans sa maison. Jephthé va rentrer maintenant dans sa maison. Et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. Sa fille va sortir. Moi, des tambourins et des danses. La fille de Jephthé, parce que c'était la victoire. Ils sont pour accueillir son père. Les agents pensaient que son père avait demandé à Dieu. C'était son unique enfant. J'ai fait avec une seule fille. Une fille. Rappelez-vous, les mamans, nous avons vu une leçon où quand on donnait l'héritage, il y a certaines filles qui sont venues réclamer. Nous avons aussi droit. On leur a dit, oui, on va donner l'héritage. Mais vous ne pouvez pas vous marier en dehors d'eux. Oui, la fille sort avec des danses, avec des tambourins. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Une fille unique. Comme Jésus, il est fils unique de Dieu. Lui n'avait que cette fille unique. Mais comment lui Jephthé peut avoir seulement une seule fille? Elle est fille. Elle n'est pas fils unique. Oui. Dès qu'il l'a vu. Dès que Jephthé a vu sa fille. Il déchira ses vêtements et dit. Il décide d'avoir ses vêtements. Imagine un peu quelque chose d'heureux. Où tout le monde devait festoyer. Sa fille venait pour l'accueillir. Jephthé déchire ses vêtements. Oui. Ah ma fille. Oh ma fille. Tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Tu es au nombre des gens qui sont en train de me troubler. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne puis le révoquer. Je ne peux pas révoquer ce vœu. Elle lui dit. La fille lui dit. Mon père. Si tu as fait un vœu à l'Éternel. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Tu dois les traiter selon ce que tu es sorti de ta bouche. C'est-à-dire que Jephthé devait tuer son enfant. Limoner et puis donc le consumer. Fais ce que tu as demandé comme selon ton vœu. Mais je veux te demander une chose. Laisse-moi que je puisse aller pleurer ma virginité. Lise un peu. Laisse-moi aller pleurer d'abord ma virginité. Laisse-moi si tu peux aller pleurer ta virginité. C'est pourquoi, parmi les martyrs, il y a les saints. Permettez que je dise un petit mot aux aigles, aux oiseaux du ciel. Le titre qui est ton tableau. Si vous voulez l'écrire, écrivez ceci. Saint, Vierge et Martyr. Saint, Vierge, Martyr. Votre vie en dépend. Alors nous voyons ceci que nous, la fille ici qui doit être martyr, elle était vierge. D'ailleurs aujourd'hui c'est il fait beau. Lui-même s'est occupé des plafonniers. Il s'occupe des plafonniers aujourd'hui. Non, vous n'allez pas vous plaindre. Oh non, il fait chaud. Non.
Même si vous êtes là, il n'y a pas de problème. Vous savez quand est-ce que vous êtes venu? Je dois découvrir mon retard là sur vous. Bien, vous allez déranger vous. Hein. Très important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, ça reviendra encore à votre. Allons-y, oui. Elle dit à son père. Que ceci me soit accordé. Que ceci me soit accordé. Qu'est-ce que ça m'en aille? Laisse-moi libre pendant 2 mois. Tu vas me laisser libre pendant 2 mois. Et je m'en irai. Je m'en irai. Je vais dans les montagnes. Je vais aller dans les montagnes. Je vais commencer à pleurer ma virginité. Avec mes compagnons. Mes compagnons, oui, parce que s'il va pleurer avec les compagnons, les compagnons comme Moses ici, oui, c'est alors qu'en Israël, on va établir une loi. Il répondit, va et la laissa libre pour 2 mois. Oui. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Elle va pleurer sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint avec son père. Au bout de 2 mois, il est revenu vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Et son père a accompli le vœu qu'il avait fait. Il devait l'offrir en holocauste. Elle n'avait point connu d'homme. Oui. Dès lors, s'établit en Israël la coutume. Quelle coutume? Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galalite. 4 jours par an. Par an, nous devons célébrer la fille de Jephthé pendant combien, hein? 4 jours. 4 jours. Toi, tu as fait un vœu. Mais le vœu là, voilà que ça arrive. Tu as vaincu tes ennemis. Rappelez-vous, un jour, nous avons parlé d'un monsieur. Ce monsieur a fait une prière. Quelle était la prière de ce monsieur-là? Seigneur, si tu peux m'accorder seulement une vache. Une vache, Seigneur. Je t'en serai très reconnaissant. Cette vache va nourrir ma famille. Alors, Dieu, quelques temps après, Dieu a exaucé à la prière de cet homme. Il va venir en songe dire à cet homme, tu vas aller dans la prairie. J'ai déjà réservé ta vache. Mais prends 20. Il y a 21 vaches. Tu prendras ta vache que toi tu m'avais demandé. Ce que toi tu m'as donné, tu m'as demandé. Tu prends ta vache. Prends les 20 vaches. Amen. Toi tu as demandé une vache. Les voisins, tu ne sais pas comment c'est arrangé avec Dieu. Ça, c'est pas ton problème. Les voisins ont d'autres vaches. Mais Dieu te demande de prendre, parce que les voisins ne savent même pas que toi tu es en contact avec Dieu. Prends ta vache à toi que tu as demandé en prière. Mais prends les vaches, tu vas donner au voisin. Papa prof, tu fais comment? Je vais lui donner. J'ai hésité et malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout, comment? Toi, tu avais demandé combien de vaches? Un peu de produit. Je t'ai donné. Tu n'as pas donné ta vache? Mais tu as les gens qui ont qu'on t'a demandé de prendre 20 vaches, d'aller donner à ton voisin. On dit là, comment? Toi, tu as demandé combien, papa? Toi, tu as demandé une vache. Sois là quand même logique. Toi, tu as demandé combien de vaches? On accepte seulement. Mais on te donne ta vache. On te demande de prendre les autres et d'aller donner à tes voisins. Comment tu commences à dire que c'est malgré moi, je vais aller donner? Si tu avais demandé 2 vaches, Dieu ne pouvait pas te les donner. Si tu avais demandé même 20 vaches, Dieu n'allait pas te donner. Qu'est-ce que lui a fait pour gagner 20 vaches? Mais tu ne sais pas le voisin s'il a demandé 20 vaches. Mais ces vaches doivent passer par quoi?
Je vois que non. Maman Rita, tu fais comment? Avec l'histoire des vaches. Tu vas donner ou bien tu vas garder quelques vaches pour toi? Oui? C'est pas possible, tu vas dire à Dieu, comprends-moi que je vous ajoute. Ah. Ah. Amen. Oui. Est-ce que si toi aussi, après t'avoir donné la vache, tu deviens encore Dieu, j'aimerais que tu m'accordes à part, accorde-moi encore trois vaches. Il va me donner la côté. Donc toi, tu me fais profiter seulement de ce que toi tu vois. Alléluia. Oui. Nous faisons le feu. Parce que un martyre. Elle m'a dit c'est par rapport à la vie. Mais mon Dieu, vous parlez de la vie de Moïse. Jean 12, 27. Ouais. On va maintenant comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Jephthé, lui, il a pleuré. Mais il a exécuté le feu. Mais toi, je sais comment est-ce que tu vas agir. Maman Faisa, nous allons avec toi, par exemple. Quand nous allons avec toi, tu as promis, tu dis que non, là où nous allons, si on me donne 100 dollars, je vais te donner 10 dollars. Nous arrivons là-bas, on vous donne 1000 dollars. Tu m'avais promis, si tu as 100, tu me donnes combien? 10 dollars. Si maintenant on te donne 1000. 100 dollars. 100 dollars. Oh, oui, papa, tu te donnes donner combien? Oh mon Dieu! Ouais? Oh, c'est pas possible! Papa, prof, vous entendez? Oui, papa, répétez ce que vous venez de dire. Dis quoi? 10! 10! Ah. Même s'il a 1 million, il donne 10. La logique de papa Simon est la suivante. Il a promis de donner 10 dollars. Si c'est 100, il est allé en descendant au-dessus. Il a promis 10 et il va donner 10. Même si 1 million. Maman, dis quoi? Ah. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu est bien. En matière d'action, on va prendre. Vous imaginez, papa Simon a accompagné. Papa, maman Rita a accompagné papa Simon. Papa Simon dit qu'il va donner 10. Maman Rita dit que l'on vous voit 10. Donc, bah, déjà, il y a un problème. Maman Rita, il faut qu'on donne combien? Papa, il avait dit qu'il y avait un montant de 100. Oui. Putain, ma solo, là, Ah.
Celui qui aime la vie va faire quoi? Celui qui aime sa vie va faire quoi? Oui. Et celui qui aime sa vie dans ce monde de la conservera. Celui qui. C'est ton décision, tu aimes ta vie. Dans ce monde. Tu vas perdre cette vie. Mais si tu perdais la vie, tu vas la conserver. Lui donne sa vie. Est-ce que toi tu peux donner ta vie? Comme ici je parle, par exemple, les sujets sensibles, c'est l'argent. Vous pouvez aller avec quelqu'un qui a préféré un retard de paiement. Il te dit vraiment, on ne nous paye pas. Si on nous payait, tu verrais ce que je ferais. Quand il a l'argent. Maman, cette expérience en matière d'argent. L'argent, c'est bien quand vous parlez des chiffres en esprit. Mais quand vous avez déjà palpé ça, ça vous donne un autre esprit. Même ici, il faut voir. Les gens ont promis. Ils ont promis. Mais il faut voir ce qui va se passer. Vous allez voir, je dis bien pour l'argent. Moi, je parlais de la fille de Jephthé. C'est une fille unique. Si c'était un fils unique, vous allez les sacrifier sans problème. Les versets qu'on a, on peut tout donner. Sans garder. Mais l'argent. C'est là où vous voyez les yeux deviennent rouges. Un Samuel. Et donc, un roi plutôt. Un roi Bissette. Commencez par qui? Est-ce que vous comprenez d'où nous venons et où nous allons? Oui. Parce que maintenant, là, nous sommes coincés à propos de l'argent. On est coincés, dans les 10%, les 10 dollars, les 200, les tout ça, tout ça, tout ça. Mais si vous allez et qu'on ne nous donne rien, vous faites comment? Et si on peut le côté? Là, il n'y a pas de problème. Si vous allez maintenant, on vous donne 50 dollars. Papa, si vous faites combien? 10 dollars. Ça dit quoi? Ah, c'est pas possible. Ah, oh, Jésus, Marie, Joseph. Vous dites quoi? Vous avez eu 50. Maintenant, vous allez donner combien? Non. Maman Fidelia, il y a un problème ici. J'ai posé la question à papa. J'ai dit si on vient de ça, on donnait 50. Papa dit c'est bien là, comme ce n'est pas ça. Je vais regarder quand même, je veux une belle transformation, je ne veux pas une belle transformation. Ça, c'est papa qui nous. Vous comprenez les raisonnements déjà de la parole. Maman dit à vous, vous allez faire comment? Si on donne 1000 francs, vous allez faire comment? On a donné 50 dollars. Lui avait dit si c'est 100, il te donne 10 dollars. Mais là, on donne 50. Donc là, tu comprends. Mais si c'est 1000, descends. Ah. Non, 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 non,
s'éleva. Il arriva à Sarepta. Il arrive à Sarepta, qu'est-ce qui va se passer? Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Nous sommes arrivés au martyr. De toute façon, si vous voyez que l'on fait tard, on va lâcher. Vous pouvez ce que vous trouvez. Continuez. Vous êtes fatigué, non? Continuez. Continuez. On continue. Oui. Papa, Jean dit ceci. On continue. Mais la dernière chanson, on la cite. Amen, amen. Tout ça pourquoi? Parce que les chansons que vous chantez là, nous ne comprenons pas. On parle maintenant d'Élie. Voilà ce que Élie a fait. Nous avons parlé de Moïse. Nous avons voulu que vous soyez saints. Soyons maintenant martyrs. C'est l'homme qui va voir que l'homme ne va plus marcher. Pour être martyr, l'homme va renoncer. Parce que vous êtes allé dans une commission et puis vous rentrez sans rien avoir. Vous aurez encore la vie. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les services au niveau du corps. Voici. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il entre à Sarepta. Après, il entre à Sarepta. Il va croiser une femme veuve. Qui est en train de ramasser du bois. Il y a des moments où on te trouve en train de ramasser du bois. C'est quoi le bois que quelqu'un peut ramasser? Lui, il est en train de ramasser le bois. Le bois va le servir à préparer quelque chose à manger. Chaque fois que nous marchons, on peut trouver quelqu'un en train de ramasser du bois. Le bois qu'on ramasse, ce n'est pas le bois pour aller attiser le feu qu'il y ait des querelles. Ce n'est pas le bois qu'il faut ramasser les jours de sabbat. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On est même sur le même longueur d'onde. Si on n'est pas ensemble, donc tu risques de sortir d'ici avec l'agent de transport. Là, je veux seulement penser à toi. Oui, allez. La femme ramassait du bois. Oui. Il m'appela et dit. Élie va appeler cette femme-là. Élie a combien de voici en bois? Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un bar. La femme ramassait du bois. Yavale comme ta baconi. Élie lui dit ceci. Élie a dit boy. Va d'abord me chercher à boire. Et ça va le faire l'eau à combien là? Après qu'elle ramassait du bois. Yavale comme ta baconi. Elle faisait notre travail. Ça va se faire mais Élie lui dit, va me chercher d'abord à boire. Et ça va le faire l'eau à combien là? Oui. Afin que je bois. Afin que je bois. Là. Et elle alla en chercher. La femme a laissé l'histoire de lancer du bois. Elle va d'abord chercher. Toi, il y a des moments où tu es en train de tortionner. On t'envoie. Tu sais comment tu réagis. Où tu es en train de travailler. On te dit que non, tu vas aller par exemple à Jamaïque. Tu sais comment tu réagis. Va me chercher à boire. Oui. Elle n'a pas fait comme la femme samaritaine. Elle est allée chercher. Il a apporté à boire. Parce que ce jour-là, je dirais, j'avais soif. Est-ce que tu m'avais donné? Pendant qu'on se trouve en train de faire autre chose. Et on te demande à boire. Ça va, Franck. Toi, tu cherches autre chose. Tu es en train de faire autre chose. Mais on te demande à boire. Oui, elle est allée, elle a cherché. Oui. Il appela de nouveau et dit. Pendant, il a vu. Il a encore de nouveau. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Moi, je voudrais que même que toi. Tu m'apportes maintenant. Il a demandé à boire. À Seigneur, la personne travaille.
chercher du bois. Allez, on va aller à Pony. Il a laissé tomber ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a laissé comme ça. Il est allé chercher. À quel point il a apporté. Amenez en haut. Il l'appelle encore de nouveau. Amen, il y a les sous-sous. Reviens sur tes pas. Soga. Et apporte-moi maintenant un morceau de. Il a mal été, ne lis pas. De tes mains. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre. Mais que ça vienne de toi, Seigneur. Et où t'as qu'à répondre, Nayo? Oui. Il a répondu. Voilà la réponse de cette femme-là. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Oh! Comment est-ce que cette femme savait que non, cet homme ici, il dit que l'Éternel, ton Dieu, à toi, est vivant. Cette femme-là savait qu'elle ne connaissait pas, c'était la première fois. Mais elle a compris que non, ça c'était l'homme de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est encore vivant. Je sais qu'il vit. Comment est-ce qu'il a découvert que l'Éternel vit? Qu'est-ce qui fait que c'est qu'elle aussi, il y avait l'Éternel en elle, et il y avait aussi l'Éternel, il vivait. Oui. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile. Je n'ai qu'une poignée de farine. Le pot et un peu d'huile. Et voici. Je ramasse seulement deux morceaux de bois. Or, ici pour allumer le bois. On n'arrive pas avec deux bois. Il faut trois. Alléluia. Amen. Pour l'allumer. Voilà, on fait ça. On ne met jamais deux. On trouvait toujours trois. Lis ça tout. Et elle avait besoin de deux. Allons-y. Oui, je rentrerai. Oui, je vais rentrer. Quand je vais ramasser les deux morceaux de bois. Je vais rentrer. Dans la cosonga. Oui. Et je préparerai cela pour moi et pour la fille. J'ai un fils aussi. Dans la moine, on va aller. Mais je vais préparer ce pain. C'est gâteau. Pour moi et pour mon fils. Pour l'angai, père, avant l'angai. Nous mangerons. Nous mangerons. Au colia. Après quoi, nous mourrons. Après avoir mangé seulement ce pain-là, c'est ce qui est resté. Petit Ali. Si nous mangeons, moi et mon fils, nous mourrons. Nous parlons de Martin. Nous parlons de ne vite, ne soyez pas, ne déviez pas. Ok, vous quantitez. Alors qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Élie lui dit. Élie lui dit. Élie ici, ne crains point. Ne crains point. Comment? Parce que toi tu crains toujours. Mais je vais donner l'exemple ici. Après, si on a dit ça. Le Dieu là, il est vachement riche. Pour ça que tu le demandes. Si tu fais ta, sa volonté. Je vais te l'accorder. Lui, il a aussi son temps. Quand j'ai aussi ton temps. Quand tu fais une promesse. Nous sommes limités. Au lieu de demander tout ce que dont tu as besoin. Toi, tu te mets déjà à la place de Dieu. Et tu penses que Dieu est incapable. Là-bas, Dieu n'est pas comme un homme. Parce que nous, on faisait comment? Quand on faisait ce qu'on appelle la lutte. On était les leaders. Avant de devenir catcheur, on est leader. On mettait un fil. Tu mets un fil comme ça. Tu viens, tu cours, tu sautes. Mais là, tu vas retourner. On commence comme ça. On monte comme ça. Et quand j'arrive, tu sautes. Et pour amortir les choses, il faudrait savoir que non. Il faudrait que ce soit les efforts dans en premier lieu. Et nous avons fait ça. Et on continue à mettre la barre. La barre de Dieu. Mais quand tu mets ta barre, à moins que ce soit pour une mauvaise intention. Si c'est pour que Dieu voit aussi
son intérêt dedans. Oui, ça va pour la tine à oya yé la tatikuna. Mais toi, tu sais placer la balle où tu veux. Yo, c'est Mika, hôtel de l'un cigare. Toi, tu places la balle où tu veux. Hôtel de cigare lundi. Parce que c'est pas toi qui vas sauter. Et ça fait un homme qui va sauter. Lui va sauter. Y'a un homme qui va sauter. Tu peux venir même il a neuf après, il saute, il dit, je suis arrivé. Garde, on l'a fait, on va voir la paix à quatre à côté. Est-ce que vous comprenez? Si. C'est comme un homme, on a dit ceci. On a dit, on prend un œuf. Vas-y, on dit c'est lui qui sera capable de mettre l'œuf, d'asseoir l'œuf sur la table. Ouais, que le copain dit ça lui qui pendait pour jeter la main. Sans problème, il a un cadeau. Ah ça, bah, on paie ses cadeaux. Quand il vient mis comme ça, ça tombe. On doit dire que oui. Il est rentré, il a pris l'œuf, il a fait ses œufs comme ça. Il a cassé un peu. À coup même, ok. Tiens, il laisse. Attends-moi, voilà. On paie ses cadeaux. Amen, amen. Amen. Et puis il est sauté là. C'est question d'imagination. Pourquoi quand tu veux demander à Dieu? Souvent, il va se demander. Cherche toutes les conditions. Normal. Que ce soit des températures. Que ce soit des espaces. Que ce soit des. Donc, tout, tout. Que tu sois réussi. Oh mon Dieu. J'ai besoin de $250 pour ouvrir mon salon de papier. C'est ça que toi tu as donné. Bon, ça à côté là, il y a quelque chose. Mais, payez le montant d'année. 100 000. Avec un 100 000, j'ai un camion, 8 billets. J'ai fait vous encourager à ces 100 000. 8 billets. Toi tu as demandé pour ton salon de papier. Oui, il a demandé pour son camion parce qu'il sait bien que c'est ça, matin, ça revient ici. Il a déjà ce projet avec lui. Comme ça, avec ça, si ça vient comme ça. Donc, une année de l'eau. Je vais payer. Le loyer pour les deux. Je vais payer. Vous, dans cette année, la campagne de. Je vais payer. Dans cette année. Toi, tu as demandé ton salon de confier. Pour que toi, tu manges avec tes enfants. Parce que si j'ai au moins 10 clients par jour qui viennent au salon de confier, ça va me permettre d'économiser un peu et de manger. Et voilà, les enfants souvent bien étudier. Les 10 clients déjà ici. Toi, tu as demandé tes $250. Tu les as là. Tu as demandé aussi son camion là, si c'est 29, si c'est 16. Il va l'avoir parce que. Je comprends pas. Toi, c'est pour que tes enfants vivent. Est-ce que tu peux laisser tes enfants mourir de faim? Non. Tu as bien fait ta prière pour tes enfants. Lui aussi, il a fait la prière. Mais il sait que c'est un pour payer les problèmes là, c'est pas Dieu, c'est Dieu qui va manger. Mais plus c'est pour que l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Si l'autre a son camion, toi tu as ton salon de coiffure. Tu seras dans vous. Parce que vous priez en Dieu. Vous êtes des voisins dans les prières. Vous avez dit que la prière, vous avez dit que la prière. Mais Caïn et Abel, c'est comme ça. La prière que toi tu fais là pour demander ton salon de coiffure. C'est une offrande de Caïn. Et ça, il dit pour ça, Caïn. L'autre qui est à côté là. Oh, ça vous passe. C'est l'offrande d'Abel. Et ça, Abel. On continue. Vous allez comprendre. Allons-y, c'est bien. Entre, fais comme tu as dit. Va faire ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit. C'est que toi tu as là, prépare-moi pour l'homme de Dieu. L'âme de la motanzambé. On prépare pour l'homme de Dieu. On l'âme pour la motanzambé. On doit préparer cette nourriture qu'on doit lui donner. Les amis, il y a une trompe, ça y est. Or, la nourriture, c'est faire quoi? Mais il y a des amis qui sont en ligne. La nourriture, c'est dire quoi? Il y a une trompe en ligne. Je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. C'est que signifie la nourriture. Les gâteaux que toi tu prépares là. Gâteaux d'ami pour Misa. Fais avec ça ma nourriture à moi. Ça la voie dans la ville, il faut la moto en zambé. Est-ce qu'on se comprend? Amina. Mais toi tu es là, tu dis que ça c'est pour moi, pour vivre, que moi je vive, moi et mon enfant. Ouais, ça dit pour la gaïe, la mort, la gaïe, toi tu même si les slèves de Dieu va tout ça, il n'y a pas de problème. C'est ce qui me reste, papa. Et c'est le quoi, tu n'as pas dit la mort. Mais nous avons les missions à payer. Vous allez dans l'état de qu'est-ce que je veux payer mes enfants, ils étudient à Mokeleyaye. Voilà, ils étudient à Monseigneur Monke. Voilà.
je dois payer 700 dollars pour ces enfants. Mais toi, c'est dans l'émission, ça va faire quoi? Payer le loyer de l'église. Est-ce que je suis le seul dans cette église? Ou que je prenne la charge de tous ces gens ici? On a la charge de mon église.